Ça va? C'est bon, je témoignerai. Dites-lui que c'est d'accord. Cette bande de salauds, ils exigent 20% de plus. Alors c'est oui. Attendez. Les documents, monsieur Lucas. Solide. Oubliez vos livres de droit, procureur. Avec ça, on peut foncer. Merci, merci beaucoup, monsieur le procureur. Merci. Merci, monsieur le procureur. Oh, c'est un beau discours, monsieur Falcon. Bravo. Hé, hey, Jimmy. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez dit un jour qu'il fallait faire le maximum pour trouver des témoins. Vous voulez être un homme célèbre, vous voulez être le roi du témoignage. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de notre côté, nous avons un témoin. Vous avez Lucas? C'est pas une blague? Non, c'est oui, vrai. Oui, oui. S'il vous plaît. Oui. Voilà, bien ça, merci. Souriez, s'il vous plaît. Formidable. Très bien. Encore un petit sourire. Voilà. Merci, bien, merci, messieurs, ça suffit. Merci. Découverte beaucoup, capitale suffit. Dans l'affaire des grossistes en viande. Hé, hey, Brise, zécule de rage dans la salle. Ouais, bah, essaye de les calmer. Pour le shérif, pense à enlever les cafards. Il est devenu végétarien. Eh ben, vous voyez, tout arrive. Mieux vaut tard c'est que vrai, jamais. C'est vrai, oui. Bon appétit. Merci. Salut, je m'appelle Sam. C'est moi qui m'occuperai de vous aujourd'hui. Nous acceptons les chèques et également les cartes de crédit. À condition qu'elles soient certifiées par vos empreintes et une analyse de sang. Vos spécialistes arrivent, justement. Je vous laisse choisir. Prenez votre temps. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce que je vous sers? Bien pour le moment. Monsieur. Comment tu vas? Comment ça s'est passé hier soir? On a perdu. Ça, c'est dommage. Ah, on a encore une chance, il nous reste deux matchs de retard. On a encore une chance, qui dit. La dernière fois qu'ils ont gagné, ça doit remonter, autant que je me souvienne, au moins à l'invention de la roue. Je crois qu'il va encore nous briser le cœur. Ah, je crois qu'un homme qui n'accepte pas qu'on lui brise le cœur ne mérite pas d'être amoureux. Bonsoir, Johnny. Salut, à demain. À demain. Goûte-moi ça. Voilà. C'est vachement bon. Excellent ragoût. C'est pas un ragoût. C'est une viande en sauce. Un ragoût, une viande en sauce, je vois pas où la différence. Bah, c'est au moins 3 dollars de plus, voilà la différence. Écoute. Et tu lui donnes un nom chic, tu peux en faire le plat du vendredi. Par exemple, le Robin des Bois, ça va, non? Il y a du chevreuil là-dedans. Alors pourquoi pas Bourbi? Et on mettrait sur le menu, vous avez vu le film, vous avez lu le bouquin, et aujourd'hui vous le dégustez en ragoût. C'est une viande en sauce. Eh Brise, on n'est pas dans le quartier chic ici, on est dans les faubourgs. Nos clients, c'est simple, si ça marche comme un canard, si ça fait coin-coin comme un canard, eh ben devine, c'est un canard. Et ton truc, ça ressemble à du ragoût. Une viande en sauce. C'est du ragoût. Et qui c'est ce type? Garde ça. C'est du premier choix. Meilleur que celle qu'on a. Ah ouais. Et où est Loïc? Il veut des espèces et il livre la marchandise qu'après minuit.
Comme le Père Noël, quoi. Écoute, il nous faut une nouvelle friteuse. Sinon, on sera au tableau d'honneur des sapeurs-pompiers à la prochaine inspection. Oh, d'accord. Eh ben, allons-y. Joyeux Noël. À toi. Ah, monsieur Costello. J'espère pour vous que le diable n'apprendra votre mort qu'une fois que vous serez là-haut. Ah. T'as un problème? Ouais, j'aimerais bien un peu plus de mousse dans ma bière. Tu veux de la mousse? Bah, prends un bain. Tu n'aimes pas ce qu'il y a dans mon baril? Tu bois pas de bière dans ta gargote? Ça m'enlèverait le plaisir de boire ailleurs. File-moi un jeton pour le téléphone, s'il te plaît. Tu veux? Merci. Je te réveille? Ah, je suis désolé, Brice, j'étais pressé de te l'annoncer. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de la friteuse. Ouais. Alors, j'ai fait mes comptes, je pense qu'on va pouvoir se l'acheter. Pas neuve, enfin, une occasion, ça ira. Ouais, ouais, une double. La même que celle avec laquelle tu me gonfles depuis quelques semaines. Ouais. D'accord, mais je sais qu'il est 1h du matin, mais je pensais que tu voudrais savoir. Ouais. Tu vois que tu l'as eu? Allez, si tu veux. Kevin, je suis un peu à la bourre. Inutile de me le dire. Je viens jamais dans ces quartiers de la ville. Tu es en retard, Eddie. C'est pas bien, ça. Je sais que je suis en retard. Ne sois plus jamais en retard, Eddie. Sale. Vous savez, j'ai pas les yeux dans le dos. Qu'avez-vous vu? Ah, n'insistez pas, monsieur. J'essaye seulement de payer mon loyer. Quelqu'un tue un type dans le bar et vous n'avez rien vu? Je vous aiderais bien si je pouvais. J'étais tourné de l'autre côté. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Et vous? Ouais, je l'ai vu. Non. Non. Oh oui. Ouais, c'est celui-là. C'est cet homme. C'est lui. Sûr? Ah oui, sûr. Ce gars-là s'est arrêté devant moi après avoir fait ce qu'il a fait. Il est connu? Oh, il s'appelle Kevin O'Rourke. Le rieur, c'est comme ça qu'on le surnomme. Personnellement, je le trouve pas si drôle. Aujourd'hui, il vient de tuer Eddie Wallis. Je suis sûr que ce gars-là est un véritable malade, je vous dis. Ouais. Il disait, ne sois plus jamais en retard. Eh bien, ne sois plus jamais en retard. Dans votre déclaration, vous dites, il a dit, eh bien, avant. Alors, il l'a dit ou il l'a pas dit?
Tenez. Merci. J'ai un beeper. Si vous vous souvenez du moindre détail, n'importe quoi, vous n'hésitez pas à m'appeler. Très bien, je vous donne ma carte. Nous sommes au marché de la viande. Vous habillez pas trop chic, nous servons du ragoût, pas de la viande en sauce. Et nous acceptons les cartes de crédit, avec empreinte digitale et analyse de sang. Ma femme. Ah, Madame Paxton. Salut, chérie. Allez-y. Est-ce que ça va? Ouais. Merci pour votre aide. Il n'y a pas de quoi. Tu crois qu'il ira jusqu'au bout? Ouais. Je suis sûr que ce gars-là fera le poids. Ce sera même le témoin numéro un, tu verras. C'est le pauvre Lucas. Alors c'est quoi cette fois? Meurtre ou suicide familial. Des enfants? Non, lui-même et sa femme. Elle est là-haut? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces gens ici? C'est une enquête de police, c'est pas une pièce de théâtre. Dans ce boulot, on a toujours une raison de sourire. Eddie Wallis, cet usurier tellement pourri qu'il doit faire un trou dans la couche d'ozone, s'est fait descendre hier soir. Oui, je sais. C'est la seule fois où j'aurais plaisir à aller à l'enterrement. J'ai aussi entendu dire que notre ami Kevin O'Rourke a été arrêté pour ce meurtre. Il y a un témoin oculaire. Le rieur? Oui, ils l'ont piqué ce matin. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi vous n'attendez pas dehors? Non, ça va. Je sais que ça va. Je veux seulement que t'attendes dehors. J'ai sauté dans mes vêtements. Excusez-moi, j'espère que j'interromps pas une conversation importante. Quelqu'un de chez nous a-t-il cherché à avoir des renseignements sur ce témoin oculaire du meurtre de ce cher Eddie Wallis? Le service qui s'est occupé de lui va entourer ce type d'une grille de 10 mètres de haut surmontée de lames de rasoir. Ah, vous croyez? C'est devenu une affaire de district. Pour l'approcher, il faut montrer pas de blanche. Ras-le-bol de ça. Nous avons tout l'État à défendre. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez quelque chose? Si c'est intéressant, on publie. Oui, j'ai quelque chose. Attendez un instant. C'est Perstein, venez une seconde. Oui, monsieur. Quelle est la première chose que ce Berger a demandé au témoin? Pardon? Quelle est la première chose que le bureau de ce Berger a demandé au témoin du meurtre de Wallis? Son nom et sa date de naissance. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pour vérification du casier. Où se trouve consignée cette information, je vous prie? Excusez-moi, je dois aller chercher le dossier. Non, attendez, non, vous n'avez pas dormi de la nuit, ça je vais va, y aller. Il faut que j'y aille. Voilà, j'y suis. On y va. Eh bien, de bonne heure ce matin. Pardonnez-moi, mais je crois que j'ai été obligé de faire ça trop souvent. Alors pour cette fois, je vais vous dire ce que je ressens. Ces misérables salauds sans aucun scrupule ont encore recommencé. Ils ont tué Paul Lucas. Non, ils l'ont assassiné. Paul Lucas et sa famille aussi, sûrement, que s'ils avaient appuyé eux-mêmes sur la gâchette. Oui, il est encore un peu secoué. Il ne viendra pas travailler ce soir. Je ne peux rien dire pour l'instant. Il faudra qu'on se voit plus tard. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour toutes ces histoires. C'est seulement... Des histoires pour les grands?
c'est ça. Fusillade dans un bar de la ville basse. Rue Clancy, votre restaurant se trouve rue Clancy. Oui, oui, c'est mon père derrière le bar. Mmh. C'est la raison pour laquelle je suis dans le métier aussi. Mon grand-père était marchand ambulant dans la rue Clancy. Ah bon? Oui, oui. Ah, vous n'êtes pas resté sur ses traces? Non. Procureur des États-Unis. Falcon et Saperstein. Alors dites-moi ce que je peux faire. Eh bien, ça n'est que de la routine, voyez-vous. Il se trouve que l'homme qui a été assassiné sous vos yeux était une figure du grand banditisme. Il semblerait que l'autre personne identifiée fait elle aussi partie du grand banditisme. Nous pensons qu'il est membre d'un groupe appelé les Vagabonds du West Side. Vous en avez entendu parler? Les Vagabonds du West Side? Ah oui, j'ai entendu parler. Je crois que c'est du gros poisson, n'est-ce pas? Enfin, j'ai tout dit à ce gars, à ce monsieur Berger. Il m'a demandé de l'appeler n'importe où, n'importe quand. Il y a deux enquêtes séparées. Deux enquêtes sur la même affaire, monsieur Paxton. Le procureur, monsieur Berger, lui, son boulot, c'est de prouver la culpabilité du meurtrier que vous avez vu. Notre boulot à nous est de prouver qu'il y a eu association de malfaiteurs qui a permis que ce crime soit mis en place. Il a déjà tout dit. Il existe une loi fédérale connue sous le nom de RICO contre le racket et les organisations de corruption qui existent dans le pays. Et cette loi fédérale, c'est notre meilleure arme contre le grand banditisme. Je n'ai rien à me reprocher. Je m'acquitte de mes impôts à temps, je ne me mêle jamais des affaires de personne et j'accomplis mon devoir conjugal tous les jours. Qu'est-ce Alors, vous voyez, voulez c'est... qu'il fasse? Se rendre devant le grand jury et refaire exactement la même déposition que celle qu'il a faite à la police? Mais ce ne sera pas le gars d'à côté qui se fera descendre, non? Non, ce ne sera pas lui. Nous parlons de dangereux personnages, je crois. Nous assurons votre protection et celle de votre famille. Non, je vous en prie, vous croyez vraiment que je me balade dans la vie avec des œillères? Je suis un petit peu au courant. Je connais les risques à prendre. Il vaudra mieux pour vous que vous trouviez un autre témoin. J'ai fait ma part du travail. Combien est-ce qu'on paie un steak dans votre restaurant, monsieur Paxton? Un steak? Beaucoup trop. Plus 10 cents. C'est parce qu'il y a des pots de vin. Vous voyez, sur toute la ligne, tout le monde paie quelque part. Ou se fait payer, bien sûr. Les inspecteurs, les bouchers, les chauffeurs, tous se servent une petite part du gâteau et chaque fois un peu plus. Et tout le monde le sait très bien. Et cette bande de salauds est devenue la cause principale de l'augmentation du coût de la vie, que vous le vouliez ou non. Si nous ne faisons rien pour arrêter ça, un beau jour, vos enfants et mes enfants devront demander la permission de vivre. Très bien, au revoir, à plus tard. Vos enfants et mes enfants, c'est nouveau, ça. Écoute, si tu veux venir chez moi ce soir, on pourra commencer à y travailler. Non, pas ce soir. Je dois examiner un tuyau de Lucas et je crois qu'il faut que je vérifie avant que ça me file entre les doigts. Bah, si tu préfères que je les fasse à compter des quartiers de bœuf plutôt que de venir chez moi en Maine Woods avec toi, d'accord? D'accord. Écoute, si tu peux t'arranger pour prendre un peu de temps dans les semaines à venir, passe-moi un coup de fil. Oui, je le ferai. Comme ton père disait toujours, tu dois seulement t'occuper de ton boulot. Alors fais ça pour moi. Pour nous, chérie. Écoute, j'ai jamais prétendu être Mère Teresa. T'es d'accord? Moi, je souhaite seulement être un type honnête qui n'a rien à se reprocher. Enfin, quelque chose comme ça. Il te demande, l'avez-vous vu? Alors toi, tu dis oui. Tu comprends? J'ai entendu dire que vous essayez de convaincre mon témoin pour votre grand jury, monsieur le procureur des États-Unis. Ça n'est pas votre témoin, ni mon témoin, c'est plutôt le témoin de tous ces gens. Réfléchissez, si nous appliquons la loi RICO dans cette affaire, nous aurons Rourke et le reste de cette bande de magouilleurs.
On éclaircira les affaires de meurtre d'extorsion qui dorment dans des placards depuis des années. Ainsi, vous aurez une fois de plus la première à la télévision et les gros titres dans tous les journaux. Non, c'est pas pour ça. Je sais très bien ce qui vous pousse. Je sais comment vous procédez. Si on n'était pas devant une église, je vous dirais que vous n'êtes qu'un sale égoïste à la recherche de la gloire. Un sacré beau salaud. Heureusement, on est devant une église. Vous trouvez autre chose en plus du témoignage de Paxton ? Bureau du procureur. Pour l'instant, ça va encore, mais il nous reste beaucoup de chemin à faire. On peut peut-être voir du côté de Costello. Vous voulez que je le mette sur écoute ? Vous lisez dans mes pensées. C'est ce que je voulais faire, mettre le bar sur écoute. Occupez-vous de la paperasserie. D'accord. J'ai quelque chose. Regardez la déposition de Paxton, page 2. Paxton ? Ouais. J'étais au téléphone. Costello était au bar, servant à boire, faisant face à O'Rourke et Wallis quand la fusillade a commencé. D'accord ? Costello, page 3. Une seconde. Oui ? Je n'ai rien vu quand le premier coup de feu a été tiré. Je me tenais dos au comptoir car j'étais en train de laver des verres. Tu parles. Il faudrait essayer de lui faire répéter ça sous serment. De cette façon, il comprendra qu'on le tient par les couilles ou qu'on le coince pour parjure. Ah, joli langage pour un magistrat. Très bien. Continuons à accumuler nos charges, nous n'en sommes qu'au début. Arrange-toi pour que les papiers soient en règle et la cassette d'écoute prête à 3 heures, d'accord ? Sans problème. Merci. Dix sur 10. Ah, aucun mérite, c'était dans le dossier. En tout cas, je suis tombée dessus. Non, je veux dire le... Merci. Toi aussi, enfin, elle est jolie, ta cravate. Cette couleur te va très bien. Merde. Alors, est-ce que tu crois que l'affaire est dans le sac pour nous en ce qui concerne Paxton ? Eh bien, c'est l'Américain moyen, sans envergure, monsieur tout le monde. Il a commencé à trembler dès qu'il s'est rendu compte de la gravité des choses. T'étais là. Qu'est-ce que nous devons faire ? Je crois qu'il faut rapidement l'amener devant le tribunal avant que le mauvais garçon ne le démolisse. Tout à l'heure. Est-ce qu'elle portait un chignon ou bien les cheveux longs ? C'est dont je me souviendrai toujours, ce sont ses beaux cheveux. Ah, j'ai souvent chanté ce refrain dans le bar de votre père. Dans le bar de mon père ? Oh, des milliers de nuits d'ivresse, des tas de gars super. C'était le bon temps. Et votre père était de loin le meilleur. Ouais, ah, je veux bien le croire. Pourquoi voulez-vous faire mettre mon fils en prison, monsieur Paxton ? Quoi ? Kevin, mon fils. Kevin, vous avez un fils ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Non, attendez un peu. Moi, j'étais là, c'est tout. C'est lui qui a fait quelque chose. Je ne crois pas avoir le droit de prolonger cette conversation. Non, il est violent, ça, c'est vrai. Je n'essaye pas de justifier ses actes. Mais la vie est dure, vous savez. Monsieur O'Rourke, je n'ai pas le droit de parler de cette affaire. Ce sera ma tournée. Je crois que vous devriez partir, d'accord ? Vous savez, votre père, il n'a jamais eu la licence d'alcool pendant 50 ans. Et on n'a jamais rien dit. Restez en dehors de nos vies, vous voulez ? Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je vous en prie. C'est lui qui est entré dans ma vie, d'accord ? De la peinture sur le mur, un tapis sur le sol, j'étais rien de plus pour lui quand il a descendu ce gars-là. Mais vous dites que c'était une dispute d'ivrogne et qu'il s'est défendu. C'était un contrat de tueur, il n'était pas ivre du tout. Mais écoutez, je ne veux surtout pas en discuter, je ne prendrai certainement pas ça, monsieur O'Rourke. Vous faites partie d'un comité de défense ? Ou bien vous êtes un justicier ? Eh, vieux, on se calme. Vous ne voulez pas faire de mal à mon fils ? Je ne veux pas en faire au vôtre. C'est comme ça que les choses se passent. Entre bons voisins. Vous n'avez rien contre ma famille. Et j'ai rien contre la vôtre. Hé, hey, Brise. Hein ? Il faut que j'aille chez moi. Quoi ? Il faut que j'aille chez moi. Je te verrai demain.
Dieu. Oh, chérie. Oh, chérie. Tu m'as fait peur. Je pense que c'est juste un fusible. On va vérifier. Qu'est-ce que tu fais debout? Maman! Ils ont pris les photos. Ça va aller, ça va aller. Serre-moi dans tes bras. Alors, vous êtes vraiment un grand Manitou, une grosse huile ici, hein? Donc, vous avez une sacrée vue. Vous devez voir le trottoir par Pointe-Claire, non? Oui, on est loin de la rue Clancy, hein. Sergent. Pour le lieutenant, tout de suite. Il aura bouffé de la viande et des pommes de terre en une semaine, celui-là. C'est agréable de savoir où vont nos impôts. C'est un type comme lui que je veux devant ma porte 24 heures sur 24, d'accord? Je viens de signer les papiers. Et vous m'assurez une protection, c'est ça? Absolument, jour et nuit. Danny, tu vas manquer l'école quelques jours. Ça t'embête pas? Non. Aucun coup de fil à tes amis sans autorisation. D'accord? D'accord. Ton père, lui, va habiter avec ton oncle Brise pour un moment. Il se peut que tu ne le vois pas pendant 2 semaines. Nous sommes sur d'autres pistes, d'autres témoins. Toutes les pressions sont sur vous en ce moment parce que vous êtes le seul. Mais nous n'allons pas vous abandonner, rassurez-vous. J'y veillerai. Ouais, c'est sûr. Mais en attendant, ils vont devoir coucher à trois dans une chambre chez la sœur de Jenny. Et moi, j'ai été obligé de mettre tout ce que j'ai dans des sacs plastiques. Excusez-moi. Nous aimerions que votre famille en sache le moins possible sur cette affaire. Alors, si vous disiez à votre sœur que vous avez des problèmes avec votre mari, que Sam a par exemple bu l'argent de l'hypothèque ou un truc comme ça, ça va? Ce que vous voudrez. Je pourrais peut-être faire mieux que ça. Qu'il me bat, par exemple. Comme ça, j'aurai quelque chose à montrer. Un bras cassé ou un œil au beurre noir. Dites-moi ce qu'il faut faire. C'est vous qui décidez, non? Je sais que c'est difficile. Ce n'est pas que difficile. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Pour certaines affaires, le grand jury siège parfois 3 ans. 3 ans ? Des dents, on en apprend tous les jours. Mais on a intérêt à apprendre tout seul parce que les gens vous disent rien. Comme par exemple qu'il y a déjà eu un témoin qui s'est suicidé. Il n'a pas supporté la pression. Vous n'étiez pas directement concerné par le meurtre d'Eddie Wallis, M. Paxton. Nous avons cité M. Lucas dans une affaire différente qui a un rapport avec notre propre enquête. Vous avez cité un témoin, même affaire, mais différente. Vous savez vraiment jouer avec les mots, vous savez. Donc, j'ai raison. Ce témoin que vous avez cité s'est saisi d'un revolver et s'est donné la mort. Nous apprécions votre collaboration, M. Paxton. Maman, papa revient quand? J'en sais rien, Danny.
Venez ici, tous les deux. Ah, oh, je suis contente de Bonjour. Te voir. Bonjour, mon cousin. Qu'est-ce que tu as grandi? Bonjour. Laissez-moi faire. Je vous attendais. Je me demandais si vous alliez arriver. Monsieur Marr, est-ce que ça vaut le coup de faire venir des cigarettes de la Caroline du Nord? Ni vous, ni moi, ni personne n'est mon pays à l'état un $0.50 sur chaque paquet de cigarettes. Ah, bien sûr, il faut bien vivre, c'est pas vrai. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que de voler le gouvernement. Très bien. Cette fois, c'est dans le sac. Saperstein, il est à vous. Monsieur Costello, deux de nos agents ont acheté des cigarettes dans votre distributeur cet après-midi. Voulez-vous examiner le paquet? Pas de cachet. Et alors? Le service chargé du contrôle a déconné. Il faut bien vivre, pas vrai? Et il n'y a rien de mieux que de voler le gouvernement. Vous m'avez espionné? Vous avez mis les micros ici? Fraude sur les taxes locales? Non, non, non. Je suggère qu'on mette le paquet. Association de malfaiteurs, on saisit la maison, on ferme le bar. Vous êtes sûr qu'on peut fermer le bar? Peut-être pas pour les cigarettes, mais il y a cette histoire de faux témoignage qui nous aidera. Faux témoignage? C'est quoi cette histoire de faux témoignage? Vous avez vu ce jeune homme descendre Eddie Wallis. Vous vous teniez à 4 mètres de lui. Je me tenais debout devant l'évier, je regardais de l'autre côté. Vous êtes encore sous serment, monsieur Costello. Je le jure sur les yeux de ma mère, j'ai rien vu du tout. Et nous avons un témoin qui soutiendra le contraire devant le grand jury, à savoir que vous avez tout vu, sauf si vous affirmez que vous serviez vos clients en marchant à reculons. Paxton. Sam Paxton me ferait ça à moi. Vous avez le choix, monsieur Costello. Celui de soutenir d'une part Sam Paxton ou de l'affronter d'autre part, c'est à vous de voir. Non. Oh, il ferait pas ça. C'est un de vos trucs. Il vient chez moi depuis des années. Pourtant, il vient de témoigner. Regardez, vous vous teniez ici. Alors, monsieur Costello, est-ce que vous croyez le ministère de la Santé quand il nous dit que les cigarettes, c'est mauvais pour vous? Je veux parler à McGirt. Chère maman, je suis partie voir papa. Ne t'inquiète pas, je t'aime, t'aime. Allô? Sam! Danny s'est sauvé. Il sait quoi? Oui, je crois qu'il est allé au restaurant pour te voir. Il voulait savoir si tu allais bien, je crois. Bon, écoute, on se retrouve là-bas le plus vite possible, d'accord? Et si tu y arrives avant, surtout, attends-moi. Oui, ouais, d'accord. Danny, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là? Je cherche mon père. Est-ce qu'il est ici? Tu connais le bar de Costello au coin de la rue? Ouais. Il est peut-être là-bas. Je veux seulement que quelqu'un lui demande à quoi il joue, juste. Pourquoi il me fait ça à moi? Et c'est tout ce que je veux. Thank you.
Tu l'as retrouvée? Non. Non? Non. J'ai appelé la police et j'ai dit à Brice de prévenir Falcon et le bureau de Berger aussi. Allez, viens. Il voulait absolument te voir. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Mettre des barreaux aux fenêtres? L'enfermer la nuit? Le surveiller toutes les 5 minutes? Mais non, il a 9 ans, il est en âge d'écouter ce qu'on lui dit. N'importe quoi peut lui arriver. Chérie, t'inquiète pas, on va le retrouver. On va le retrouver. Qui est ce Paxton? Il se prend pour Zorro, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Si on allait voir les filles. Attends un peu, j'ai mieux. Regarde ça. Hé, petit, tu veux qu'on t'accompagne? Non. Monte dans la voiture. Non. Allez, fais pas d'histoire. Laissez-moi tranquille. Ça... Vas-y, fais-le rentrer. Non! Je veux pas monter avec vous! Aïe. Lâchez-moi! Au secours, à l'aide! Aide-moi! Maille-toi, tire de là! Désolée, mais nous sommes en famille. Vous allez faire partie de notre programme de protection. Eh, j'ai pas l'intention d'expédier ma famille à des kilomètres, moi. Notre travail, c'est de protéger les témoignages. Votre travail, avant toute chose, c'est de me protéger et de protéger ma famille. Et merde, mais qu'est-ce que vous croyez que je fais? Vous avez une protection 24 heures sur 24. Vous avez des papiers provisoires et nous vous donnerons de l'argent. Non, s'il vous plaît, j'ai vraiment d'autres soucis pour l'instant. De plus, nous voulons être en famille. Je vous recontacterai. Écoutez, on s'arrangera pour organiser des visites avec votre famille. Organiser des visites? Merde, alors. Le gars qui a tué va très bientôt être libéré sous caution. Et nous, on se retrouve en prison. Et vous, monsieur Falcon, vous êtes là à l'aise à débiter de belles phrases juridiques. Vous devriez être à genoux, monsieur, à me demander pardon. Attendez pour tout une ça. Seconde, monsieur Paxton. Je suis vraiment désolé que votre fils ait été blessé, mais il a fait une faute. Et je ne veux pas que cette ville continue à être corrompue seulement parce qu'un gamin commet une faute. Sa faute? Ça, c'est sa faute? Je n'ai pas dit que c'était sa faute, j'ai dit qu'il avait commis une faute et je ne veux pas vous en voir faire une. Moi, j'ai déjà commis la mienne. Et je vais la réparer maintenant. Vous pouvez me croire, je vais la réparer maintenant. Paxton, une minute. Ils recommenceront, vous savez, avec le gosse de quelqu'un d'autre. Et cette fois, ce ne sera pas un avertissement. Vous trouvez normal qu'on vive de cette façon? Je me fiche de ce qui est normal ou pas. Je veux pouvoir regarder ma femme et mon enfant en face. Et c'est ce que je vais m'appliquer à faire. Point final. Et vous venez de perdre ce témoin. Quelqu'un vient de glisser là-dedans une cassette vierge. Je crois qu'il laisse tomber. S'il le fait, il a intérêt à avoir un bon avocat. Je crois que j'ai retrouvé la raison. Ils ont un grand bâton qu'ils appellent outrage à la cour pour vous botter le cul. Et vous pouvez rester en tôle tout le temps que le grand jury siégera. Alors j'étudierai le russe. J'ai toujours eu envie d'apprendre les langues. Allez-y pour le chinois aussi, parce que quand vous sortirez, rien ne les empêchera de reconstituer un autre grand jury et de tout recommencer.
Faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez, monsieur Paxton, parce que le moindre conseil vous coûtera cher. Vous savez, même avec un témoin coopératif, tout ça peut vous coûter entre 5 et 10 000 dollars. 5 et 10 000 dollars? Ça fait une sacrée somme. Je vais être obligé de vous régler en burger et en tarte à la crème de banane. Pourquoi vous me faites ça? Bonjour, monsieur Rednick. Avez-vous informé votre client des conséquences de son refus de témoigner devant le grand jury fédéral? Et ce, malgré ma proposition de lui faire bénéficier d'une grande protection et du relogement de témoins. Je suis ici, monsieur Falcon. Pendant que nous parlons, mon fils est couvert de dizaines de kilos de plâtre. Et vous ne pouvez pas me faire plus de mal que les autres m'en feront jamais. Alors pourquoi vous voulez m'envoyer en tôle? Monsieur Rednick, voulez-vous dire à votre client... Non, vous, dites-le-moi. Je suis en face de vous. Arrêtez un peu votre blabla juridique, monsieur le procureur. Et osez me dire en face que j'ai tort de vouloir veiller sur ma famille. Vous avez une famille, d'accord? Est-ce que vous témoignez? C'est ce Kevin O'Rourke et ses amis que je souhaite mettre en tôle, monsieur Paxton, pas vous. Il se trouve que vous étiez dans ce bar, c'est... Oui, je ne suis pour vous qu'un morceau de viande, voilà ce que je suis. C'est ce qu'a failli devenir mon garçon, je vous le rappelle. Ma plus grande erreur, ça a été d'ouvrir ma grande gueule quand ce flic m'a interrogé. Calmez-vous, monsieur Paxton. Attendez, croyez-vous que ça me plaise de faire ça? Vous croyez qu'on n'a pas essayé de trouver autre chose? Écoutez-moi, Paxton, la grande roue a tourné et votre numéro est sorti. Maintenant, que vous le vouliez ou non, vous devez aller jusqu'au bout des choses. C'est une question de civisme. Ah oui, et c'est vous, derrière votre bureau d'acajou, qui allez me donner des leçons de civisme? Tous ceux qui travaillent pour moi font des sacrifices, monsieur Paxton. Il n'est pas un homme ou une femme de mon service qui ne pourrait gagner deux fois plus d'argent dans le secteur privé. Et moi, je ne peux même pas aller au restaurant, ou au cinéma, ou même aux toilettes sans qu'il soit passé au peigne fin. C'est comme ça depuis un sacré bout de temps, monsieur Paxton, parce que peu de personnages ont eu le cran d'ouvrir leur grande gueule au moins une fois. Vos propres termes, monsieur Paxton. Je passe chaque jour de ma vie en état de siège. Et c'est mon choix. Monsieur Falcon, j'ai le choix aussi. Rien ne m'empêche devant votre grand jury de raconter des histoires. Je peux tout à fait dire que je n'ai mais non, personne. Mais non, mon client présente un cas d'hypothèse seulement. Mais je n'ai aucune envie de le faire, venez, monsieur venez. Falcon. Allez, il faut qu'on y aille. Non, je ne demande pas le droit de raconter des histoires. Je veux seulement me taire. Ou c'est en logeant une balle dans ma pauvre tête comme votre ami Luca qu'enfin je paierai le droit d'être un bon citoyen. Venez, allons boire un verre d'eau. Bien, ils ne me laisseront pas entrer là-dedans. Je vais attendre ici jusqu'à ce que ce soit terminé. Si vous aviez un doute quelconque, rappelez-vous que vous avez le droit de sortir quand vous le voulez. Venez me parler. Allez-y. Monsieur Paxton, réfléchissez à deux fois avant de mettre le procureur en colère, s'il vous plaît. Déclinez votre identité. Samuel de Valera Paxton. Plus fort, s'il vous plaît. Samuel de Valera Paxton. Voulez-vous dire au grand jury où vous vous teniez le soir du crime? Je suis désolé, mais pour l'instant, je refuse de témoigner. Nous pouvons vous accorder une suspension d'audience pour consulter votre avocat. Je m'appelle aussi de Valera, monsieur Falcon. Ce nom me vient d'un Irlandais américain qui n'a jamais eu besoin de personne. Je vous repose la question. Où vous trouviez-vous approximativement vers 1h du matin le 4 avril de cette année? Je refuse de vous répondre, pour les raisons que je vous ai déjà données. Veuillez noter que M. Samuel de Valera Paxton a déjà bénéficié d'une immunité de poursuite dans cette affaire. Dans ce cas, M. Foreman, veuillez prévenir le shérif que nous demandons une notification du juge Braden. M. Paxton est accusé d'outrage à la cour. Écartez les jambes. Très bien. Regardez devant vous. Tout va bien. Enlevez votre alliance. Ouvrez la bouche. C'est bon. Levez les bras. Tournez-vous. Passez les mains dans vos cheveux. Allez-y, passez les mains dans vos cheveux. Serrez les jambes. Touchez vos orteils. Allez-y.
Vous allez me faire coffrer pour les cigarettes. Et pour l'histoire du pare-jeu. Ouais, c'est bien ça, hein. Je vais parler. Ils veulent que je blanchisse de l'argent et j'ai peur. Ben, on peut s'arranger. Oh, c'est pas pire que l'hôtel où on était descendu à Maui, tu te souviens? La nourriture est même moins mauvaise. Allez, mon vieux, j'irai voir mes papiers. Comment il va? T'inquiète pas, ça va. Il regarde partout dans la chambre et... il doit se lever demain matin pour la première fois. Tu me manques. Je viens d'avoir mes papiers, laisse-moi ce putain de téléphone. Jenny, écoute, quand tu viendras me voir, apporte-moi du linge, une brosse à dents, enfin, des trucs comme ça. Et peut-être 15 mètres de corde. Je te le demande pas, je te l'ordonne. Eh, mon vieux. Ouais. Je déteste les resquilleurs, pas toi. Tu vas arrêter de nous emmerder. Ta gueule, de quoi tu te mêles? Je vais te démolir. Je te trouverai. Je vais te souhaiter à la mort. Ça va, Jenny, ça va. Ça n'a rien à voir avec moi. Salut vieux, comment ça va? Je crois qu'il faut que je te remercie. Je m'appelle Sam. Sam Paxton. Ouais, je sais. Jouer, monsieur. Hein? C'est bien ce que vous faites. Ça veut dire quoi, c'est bien joué? Nous voulons maintenant que vous alliez jusqu'au bout. Le fait que vous ayez repoussé Falcon ne suffit plus. Vous devez maintenant déclarer clairement que monsieur O'Rourke n'est pas le bon gars. Hein, nous savons que ça va vous causer des ennuis. Nous avons prévu un dédommagement. Un dédommagement? C'est vous qui devrez nous payer. Mais comme nous vous causons des problèmes, monsieur Paxton, nous estimons que nous sommes quittes. Je ne témoignerai pas pour ou contre monsieur O'Rourke, d'accord? Vous vivez en communauté, ici personne n'est seul, vous le savez. Vous croyez que quelqu'un comme vous tiendrait une semaine ici? Nous vous avons protégé jusqu'à présent. Pour être sympa avec vous. Écoutez, mon vieux, je veux seulement qu'on me laisse tranquille, d'accord? C'est une chose terrifiante, monsieur Paxton, que d'être tout seul. Et particulièrement dans un endroit comme celui-ci. Très bien, parlons quelques instants de Costello, et puis vous me laisserez seul pour me préparer à faire ce fichu discours. Demain, Costello doit avoir une réunion avec ce malfrat. Évidemment, il aura un micro sur lui.
Et si tout se passe comme on le souhaite, nous pourrons inculper quelques gros bonnets de la bande du West Side de racket, de corruption et de blanchiment de l'argent, qui leur sert bien souvent de caisse noire pour corrompre les fonctionnaires. En tout cas, nous les aurons. Ensuite, nous ferons pression sur eux. S'ils ne veulent pas avouer, on les inculpe pour association de malfaiteurs. Quoi que Paxton décide de faire. Net, simple, sans bavure. Attendez un peu. Qu'est-ce qui vous dit que Meggert voudra parler à faire? Je veux dire... Excusez-moi. Vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Merci. Ces gens-là sont partout à la fois. Écoutez, ils ont besoin de quelqu'un qui ait une affaire bien saine. Ils ont confiance en Costello. Si on a de la chance, ils commenceront à passer de l'argent dès demain. Costello est tout à fait d'accord pour porter un micro? Sans problème. Si Mademoiselle Saperstein le dit. Permettez. Merci. Je vais vous dire une chose. Le petit incident survenu au fils de Paxton, ça a été une chance pour nous. Ça fait bouger les choses, surtout Costello. Nous avons eu de la chance. Danny a quitté l'hôpital aujourd'hui. Je dis ça au cas où ça intéresserait quelqu'un d'avoir de ses nouvelles. On a trouvé un moyen d'économiser l'électricité. On a débranché le grand réfrigérateur. Mais Jenny, s'il te plaît, j'ai pas envie de parler compte maintenant. Tu veux? Surtout quand Brise essaie de me mettre en faillite en préparant la cuisine avec du caviar et des truffes. Regarde ce chiffre. Qu'est-ce que c'est? C'est arrivé par le courrier ce matin. Aucune adresse. Sam? Les frais médicaux ont été réglés. Les nouvelles se propagent vite. Le chiffre d'affaires est en baisse. Ça va plutôt mal. Il vaudrait peut-être mieux que je le donne aux sans-abri. Ouais. Fais ça ou colle ça dans la boîte aux lettres la plus proche de la maison. Ça va durer longtemps. J'en sais rien. Tu vas finir ça? Je croyais que t'étais au régime. J'étais. Merci. T'as eu le procureur? Non, je travaillais toute la nuit. Comment est-ce que j'aurais pu? Puis j'ai peur des fuites. Très bien. C'est bon, je suis content. Eh ben, si t'es content, je suis contente. Qu'est-ce que c'est, ça? La sortie de Paxton. Si tu le signes avant 7h, il sort demain matin. Non, Paxton reste où il est. C'est pas devenu une affaire personnelle entre toi et lui. Ça fait 4 mois. Tu penses que c'est personnel? On peut peut-être lui fiche la paix. À mon avis, on n'a plus besoin de lui. À mon avis, t'es fatiguée. T'as pas compris, Lise. Nous avons tous travaillé dur, avec des pressions de tous les côtés. Mais cette affaire peut changer d'un jour à l'autre. On a eu beaucoup de chance avec Costello, tu le dis toi-même. Et nous avons eu des tonnes de preuves, des preuves concrètes sur les liens existants entre Maggert et O'Rourke et les vagabonds du West Side dans les affaires d'extorsion. Exposé de cette façon, le tableau est très clair. Au tribunal, le jury verra différents points sans aucun lien entre eux. Si Paxton vient à la barre et qu'il regarde l'heurieur droit dans les yeux et qu'il dise « Je vous ai vu tuer un homme dans un bar », tous ces indices se mettront en place. L'étau. C'est ça, l'étau. Tout est là, ma chère Lise. Si tu veux prendre l'affaire en main, mais si c'est au-dessus de tes moyens, tu peux trouver quelque chose d'intéressant à faire à la défense des consommateurs ou à l'aménagement des espaces verts. Y a-t-il une raison pour laquelle tu refuses de plaider cette affaire? Tu as peur de la perdre, c'est ça? Écoute, Lise, tu devrais essayer de me faire confiance juste pour cette fois, d'accord? Tu as peur pour ta carrière politique? Enfin, Jimmy, tu trouveras toujours des mots pour convaincre dans tes putains de discours. Je ne suis candidat à aucune fonction politique. Ouais, mais ça viendra. J'ai couché avec toi. Oh. Ah oui, je te connais bien. Allons, voyons. Est-ce que tu as peur d'être face à face avec O'Rourke? Qui c'est, ce gars-là? Patience, Lise. D'accord? Patience, l'affaire n'est pas prête à être jugée. Nous avons une preuve indiscutable avec les bandes enregistrées. Donne-les au jury et laisse-les au moins décider. Tu vois mon autorisation de pratiquer, là, sur ce mur? Mon nom est sur la porte et c'est mon affaire. Je déciderai quand ces cassettes seront remises au jury. Pourquoi tu ne concentrerais pas plutôt ton énergie sur Costello? Ça, c'est ton affaire. Une affaire que je t'ai confiée. Ne me dis pas ce que je dois faire, je connais mon boulot.
Je voudrais seulement savoir pourquoi tu laisses Sam Paxton aussi longtemps tourner dans le vide. J'ai mes raisons. D'accord. C'est essentiel. J'ai besoin de lui. Oublie ça. Il faut que tu saches autre chose. Si Costello venait à se dégonfler, demain tu devras faire pression sur Costello. Il va porter ce micro et il sait ce qu'il a à faire. Et s'il en a trouille, ce sera à toi de lui mettre les couilles dans un étau. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire avec Costello. Je sais ce qu'il faut faire avec Costello parce que je l'ai déjà fait, figure-toi. Et je le referai encore, je sais très bien le faire. Et je trouve ça dégueulasse. Le gouvernement, c'est la force. La force. Ni la raison, ni la loi, c'est la force. C'est George Washington qui a dit ça. Et la seule justification qui permet aux représentants de l'ordre d'utiliser cette force contre des citoyens ordinaires tels que Paxton et Costello, c'est que notre boulot est de protéger et de servir. Et c'est ce que je m'efforce de faire ici. Protéger et servir, et même si tu en doutes, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Et c'est ce que tu fais toi aussi, et que tu fais bien, parce que tu es concerné et que tu y crois. Tu es aussi un magistrat ambitieux, c'est la raison pour laquelle tu es dans ce service et que je t'ai chargé de Costello. Alors, en sortant d'ici, protège et serre. Continue à attaquer. On n'est pas au bout de nos peines. Et quand nous y serons? Avec un mort de plus, Costello ou quelqu'un d'autre? Le gosse n'est pas mort, nom d'un chien. C'est un coup de bol. Mais s'il était mort, si le fils de Sam Paxton avait trouvé la mort, et que tu sois obligé d'aller au tribunal sans aucun témoin, tu pourrais vivre avec ça? Oui. Et toi? Alors surtout n'oubliez pas, vous serez en permanence sous la surveillance d'hommes en armes par le biais d'un système vidéo. Si à un moment quelconque, il semble y avoir le moindre danger pour vous, nous interromprons l'opération. D'accord? Ça va? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Ils m'ont dit de l'amener. C'est de la paperasserie à régler, pas une gueule à casser. Il a peut-être besoin d'un avertissement, s'il avait envie de sortir du droit chemin. Allons-y. C'est le moment de croiser les doigts. Parfait. Tu te gardes une grande part du gâteau, Costello.
ce qu'elle fiche. Est-ce qu'on arrête tout? Attendez une minute. Bordel de merde, une espèce de vigile en balade. Tu commences à réclamer une trop grosse part. Moi et mes amis, on a aussi des couteaux. On n'hésite pas à s'en servir, d'accord? Donne-lui les papiers, tu veux? Je voudrais me barrer d'ici. Non, non, c'est trop risqué. Stoppez tout. Dites de stopper. À tout le monde, on laisse tomber, on laisse tomber. Une embuscade! Fédérale, cessez le feu! Un agent fédéral touché! Oh mon Dieu! Appelez une ambulance, vite! Veuillez accepter ma démission de votre service pour les différentes raisons expliquées ci-dessous. Vous voulez que je vous attende? Non, non, on se retrouvera au bureau. D'accord. Vraiment désolé, Jim. Ça va? Oui. Qui engage les poursuites? C'est moi. Longtemps que j'ai pas plaidé à la cour. Trop longtemps. Mais c'est mon domaine. Elle disait toujours ça. J'aurais besoin de votre aide. Vous l'aurez.
gouvernement va prouver l'existence d'une association de malfaiteurs organisés qui a à son actif une quantité d'actions criminelles qui dépasse et de loin la totalité des crimes individuels commis dans cette ville. Cette organisation est à la tête de toutes les corruptions, rackets et autres formes de violence qui existent dans notre ville. Parce que les patrons de la pègre, quand ils désiraient acquérir un petit commerce, le commerce du poisson, de la viande, des fleurs, parfois, enfin, ce qu'ils souhaitaient, détaillant aux grossistes, ils n'allaient pas à la banque. Ils allaient voir les vagabonds du West Side. Si un gros bonnet de la pègre souhaitait avoir votre affaire, il ne venait pas vous voir à votre bureau avec son comptable. Ils amenaient avec eux un Kevin O'Rourke. Monsieur Maggart, parmi vos bons amis, nous trouvons des responsables des affaires sanitaires et sociales de chaque arrondissement de la ville. Dînez avec monsieur De Santos, qui attend actuellement son jugement pour extorsion de fonds. Dînez avec deux conseillers municipaux, qui sont responsables de l'autorisation d'accepter ou de refuser les patentes. Ah, voici une photo de vous dînant avec le propriétaire d'une compagnie de transport. Il a dû cesser son activité lorsque son garage a sauté. Vous avez une quantité d'amis très généreux, monsieur Maggart. À l'amitié, quelle belle chose. Monsieur Paxton, asseyez-vous. Merci. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas question que je témoigne. D'accord? J'espère que vous grillerez en enfer pour ce que vous nous faites à moi et au mien. Asseyez-vous, monsieur Paxton, sinon je vais finir par avoir un torticolis. La seule chose que je souhaite à votre cou, c'est qu'il se brise. Très bien. Ramenez-le. Comment va votre affaire, monsieur Paxton? Pardon? Votre affaire. Je vous demande ça parce que vous avez rendu service aux commerçants de tout votre quartier. Grâce uniquement à l'éventualité de votre témoignage, vous avez considérablement réduit leurs frais généraux ces temps-ci. Maggart, O'Rourke, les vagabonds, enfin les personnes qui travaillent pour eux, n'ont pas pris le temps de faire leur collecte. Grâce à vous. Je peux m'en aller? Parce que si je m'en vais pas maintenant, je vais manquer mon feuilleton favori. Croyez-vous que Costello va témoigner? Il y a encore un long chemin à parcourir avant la barre. Surtout qu'à chaque fois qu'il se retourne, il croise le sourire d'O'Rourke. Oui. Allons-y. S'il vous plaît, monsieur Costello, c'est une simple question. Voyez-vous l'homme qui a tiré sur Ellie Wallis dans votre bar, quelque part dans ce tribunal? Je ne le vois pas. Non. Plus fort, je vous prie. Non. Pas d'autres questions. Vous pouvez vous retirer, monsieur Costello. Il nous faut Paxton. Nous avons encore plein d'autres preuves. Tout va bien? Non. Non, il me faut Paxton. Paxton! Paxton! Êtes-vous Paxton, condamné pour outrage? Très bien, vous sortez d'ici. Tu dégages, Paxton, avant qu'on change d'avis?
Vous avez entendu ça? Hein? Vous avez entendu? Merci, merci. Je mettrai sur l'addition. Pas tous les jours qu'on sort de prison. Monsieur Paxton, j'ai bien sûr décidé de ne pas vous obliger à témoigner. Toutefois, je vous demande de le faire de votre plein gré. S'il vous plaît, monsieur Paxton, rendez-nous service à tous. Venez au tribunal pour identifier ce Kevin O'Rourke. Arrêtez, mon vieux. Je peux vous faire citer à comparaître, monsieur Paxton. Si vous persistez, je peux vous renvoyer en prison. Et pourquoi vous ne le faites pas? On peut tout encaisser maintenant. Je peux pas faire ça. Vous réalisez bien sûr que si vous n'êtes plus sur la liste des témoins, je ne peux vous offrir aucune protection. Ma meilleure protection, monsieur Falcon, c'est d'être muet comme une tombe. Vous, vous serez appelé à faire une grande carrière. Moi, je vais retourner à ma petite vie comme avant, c'est tout. Le temps pour aujourd'hui sera variable. Chaleur agréable et peu de vent. Pour demain, le soleil brillera sur toutes les régions, avec quelques rafales de vent sur la côte. Mille, 9000 et 10000. 10 000 $ de dédommagement. 10 000 $ pour être quitte. Évidemment, j'ai peut-être eu tort, chérie. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment tu vas, Sal? Hey, Sam! Salut, Joe, tu vas bien? Salut, et toi? Mesdames, je vous en prie. Oh non, 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 s'il vous plaît. Arrêtez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez, je vous en prie. Non, demandez-vous de s'asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Non. Bah, où t'étais planqué? Il y a du boulot ici, qu'est-ce que tu crois? Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as baissé d'un dollar les entrées? Ah, ben le service était pas bon, alors il a fallu que je trouve un moyen pour qu'ils reviennent. Travailler à un tiers du prix coûtant, Brice. Je vais te dire quelque chose. Depuis que la pression est tombée, tu peux pas savoir combien le coût de la vie a chuté ces derniers mois. Ah bon? Non, c'est délicieux, ça. Goûte. Ah, hein? La viande, même les légumes, tout est moins cher. C'est d'une carbonade. C'est du ragoût? Non, c'est pas du ragoût. Ça ressemble à du ragoût et ça a le goût du ragoût. Ah, au diable, les vagabonds du Westside. T'as foutu la trouille à du monde, hein? Alors, tu vas bosser? Alors, tout va bien? Oui, oh, ça va. Il y a pas à vous faire payer un loyer, vous passez votre vie ici, vous. Sam! J'ai su. Ah, c'est bon de te voir de ce côté du mur. Ouais, c'est bon de se retrouver de ce côté du mur, je te le dis.
Comment tu vas? Eh ben, tu vois bien. Bon, y a quoi pour entretenir des brûlures d'estomac? Je vais te trouver quelque chose qui te fera pas de brûlure. Assieds-toi. S'il vous plaît, une bière pour mon ami. Alors, et Danny? Danny? Oh, il va bien. Il va bien. Tu sais, il voulait pas faire de mal au gosse. Il voulait juste lui parler et lui, il a paniqué. De quoi est-ce que tu parles? Tu les as vus? Non, j'ai rien vu du tout. Il était tôt le matin. Tu as vu ces salauds frapper sur mon garçon de 9 ans, mais tu n'es pas intervenu pour empêcher ça? C'est bien ce que tu viens de me dire? Ben, c'est du passé. N'oublie pas que c'est moi qui devrais t'en vouloir. C'est toi qui m'as mis dans cette merde. Tu n'as même pas essayé de lui venir en aide et tu n'as rien dit quand les flics ont commencé à chercher partout? Mais si, je les ai aidés. Demande à Falcon. Tu t'es bourré les oreilles de coton ce soir-là pour être sûr de ne pas l'entendre hurler, c'est bien ça? Ou quoi? Et là-dedans, qu'est-ce que t'as? Un écriteau qui indique fermé? Bien coué. Et tu devras bien en faire autant, toi aussi. Nous connaissons toutes tes magouilles de ces derniers mois. Fiche le camp d'ici! Allez, fiche le camp d'ici! Bon, bah, le spectacle est terminé. Allez, au travail, toi. Tiens, ça va, l'étranger? Pourrait aller mieux. Non, c'est fini, terminé. Plus jamais. Monsieur Paxton, vous désiriez me voir? Après que O'Rourke ait descendu ce gars, il m'a regardé comme si j'étais rien. Comme un objet. Comme si nous étions tous des objets. Et il était sûr que je ne parlerais pas. Eh bien, j'ai encore croisé ce regard, mais cette fois, c'est une fois de trop. Alors vous aurez ce que vous voulez, monsieur Falcon. Je suis ici. Je vais m'engager dans le tunnel, encore une fois. Très bien. Ils ont envoyé Costello. Ils lui ont dit, sois gentil, va voir Paxton, sois très sympa, aie des relations de bon voisinage avec lui. Et j'ai failli marcher. Ils se sont levés et ils m'ont acclamé. Et tu as vu Falcon? Ils étaient debout sur leur chaise et ils m'acclamaient. Et c'était pas Sam Paxton qu'ils acclamaient. Ils acclamaient ce pauvre débile qui respectait les consignes sans le savoir en répétant « Je n'ai rien vu, je ne sais rien du tout, bon voisinage !» Le pauvre con qui a su fermer sa gueule. Oubliant qu'il avait réagi de cette façon uniquement parce qu'on a donné un coup de poing à son fils. Tu es allé voir ce Falcon qui nous a fait du mal? J'ai des nouvelles pour eux. Je ne serai plus jamais un pauvre con. Un bon voisin, c'est quelque chose de différent. Le bon voisinage, ce sont des personnes qui se soutiennent les unes les autres. C'est une protection et un échange constant de bons procédés. Et subitement, quelqu'un a lancé une boule de démolition là-dessus. Et le bon voisinage s'est volatilisé à tout jamais. Alors tu vas y mettre bon ordre, c'est ça? C'est ça? On ne peut veiller que sur les personnes qui font partie de votre vie. Nos amis,
notre famille. Et tu vas faire ça. Qu'est-ce que ça voudra dire pour nous? On n'aura pas la force de revivre ça. Paxton est prêt à entrer. Paxton est là. Votre honneur, je souhaiterais entendre un autre témoin. Le gouvernement appelle à la barre Samuel Paxton. Objection, objection, objection. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît, la cour vous demande le silence. La main gauche sur la Bible, levez la main droite. Vous jurez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité avec l'aide de Dieu. Je le jure. Allez vous asseoir. Déclinez vos noms et professions, s'il vous plaît. Samuel de Valera Paxton, restaurateur. Monsieur Paxton, voulez-vous dire à la cour où vous étiez aux environs d'une heure trente du matin le 4 avril de cette année et ce que vous avez vu ensuite? À l'heure que vous m'indiquez, j'étais au téléphone, dans le bar tenu par Monsieur Costello. Un homme est entré, il est passé devant moi. Il s'est dirigé vers un autre homme et ils ont commencé à parler, à 3 ou 4 mètres de moi. Voulez-vous que je vous montre cet autre homme? Dois-je le citer? Faites un marché. Je le veux tout de suite. Allez-y. À présent, Monsieur Paxton, vous pouvez vous retirer. Quoi? Je demande un aparté, Monsieur le Président. Attendez une minute. Vous ne voulez pas que je le désigne? Non, Monsieur Paxton. Vous en avez fait beaucoup. Merci, retirez-vous. Pouvons-nous, s'il vous plaît, séparer M. O'Rourke des autres accusés? Quoi? Espèce de salaud! J'aurai ta peau! Tu t'en tireras pas comme ça! Salaud! Salaud! Silence! Silence, s'il vous plaît, silence! Vous avez fait un marché? Vous avez fait ça? Vous avez fait un marché avec lui? Évidemment que j'ai conclu un marché. Il va me donner les vagabonds du West Side, peut-être plus. Monsieur Falcon, c'était ça, votre plan? Vous ne comprenez pas. À partir d'aujourd'hui, il entre dans le programme de protection des témoins. C'est à lui qu'ils vont filer le train toute la journée. Plus à vous. Entrez chez vous, monsieur Paxton. Reprenez votre vie. Attendez une minute. Tout était déjà organisé? C'est bien ça? Je n'étais que l'hameçon qui fait mordre le poisson? Vous m'avez rendu un très grand service. Monsieur Falcon, j'aurais pu quitter la cérémonie de mon propre mariage pour venir témoigner. Allons, allons. Oubliez tout ça et rentrez chez vous. Monsieur Falcon! Quand j'ai pointé le doigt vers son visage, je me suis senti parfaitement bien à la barre. Bien comme je ne m'étais pas senti depuis longtemps. J'étais prêt à aller avec vous jusqu'au bout et vous attendiez qu'il vous fasse un signe. Et aujourd'hui, vous pouvez sortir de ce tribunal sans jamais plus avoir à regarder par-dessus votre épaule pour le restant de vos jours. Félicitations. Vous avez fait votre devoir. Ouais, je vois. J'étais qu'un pion au milieu d'un jeu dont je ne connaissais même pas les règles, mais j'étais là pour confirmer certaines choses. Monsieur Falcon, vous comprenez? J'avais des choses à confirmer, et vous n'avez rien écouté. Je vous ai entendu. J'ai entendu pour moi, j'ai entendu pour O'Rourke, j'ai entendu pour ces 4 fripouilles qui ont gommé leur sourire de leur visage, pour tous ces gens qui, en dehors de ce tribunal, cherchent quelqu'un comme vous, capable de faire taire les voyous. Je m'en fiche, ce n'est pas pour eux. C'est pour Paul Lucas, sa femme. J'ai entendu pour... pour quelqu'un qui travaillait pour moi, peut-être plus encore. Pour quelqu'un que j'aimais bien, j'ai entendu pour elle aussi. Vous? Vous et moi, Monsieur Falcon, c'est tout ce que je voulais entendre. J'ai entendu. Vous avez eu votre parfait témoin, c'est ça? C'est ça. Je
Voilà ce qu'il cherchait. Il voulait se servir de nous pour le coincer. Tu peux partir maintenant? Ça y est? C'est terminé? Oui, c'est terminé. Vous êtes libre. Vous avez une carte de votre restaurant? Nous allons travailler tard. À cause de vous, vous faites de la cuisine à emporter. Non, on fait pas ça. Allez, viens, chérie. Tu as de l'allure là-dedans, monsieur le restaurateur. C'est vrai, s'il te plaît? Oui. Tu sais, quand j'ai commencé à parler, je me suis senti des ailes. J'ai oublié tous les ennuis. J'aurais pas voulu rater ça. Merci d'avoir été là. Tu sais, quand monsieur Falcon t'a demandé... Chut, c'est fini. Allez, viens, on va déjeuner. Mais je voulais juste... C'est fini. Toute cette histoire est terminée, on n'en parle plus. C'est fini une fois pour toutes. Ça n'était qu'un préjudice dans notre vie, c'est tout. Un préjudice? Quoi, tu n'aimes pas ce terme juridique? Non. Ah, je crois que j'ai fréquenté trop d'hommes de loi ces temps-ci. Je crois aussi. C'est le style de Brise, des morons flancs qui font les plats à $20.